راديو تيزيري. الي امسفليدن تمسفليدن دمت لما زول مرحبا يسون راديو تيزيري قلق نو غالد سيون اونازور وكيانا دارزقيا امزيان ميعينيغ ازول مرحبا يسيك ازول حميد تنميرتي يتقبلض في النوف جناغ تنميرتي وقيدة دسان زوارون تروح ذاك راديو تيزيري سي لا بروميير فوا تجيك التام جوال وثي اكزاكتومون الوغ لان بيان سور وي ذاك كيسنن لان وي ذاك كنسينا راه نكوني اون بروفيتي دو سيت اوكازيون جوستومون باش كنسين نبغى نوالي مشواري خارجنا الوغ انوي دارسقي مزيان اون كيلك مو ان ارتيست كومبوزيتور اوتور انتربريت قلون دي فرنسا عم كل شيء طاح لي ثمر ثم بود نشكر شو ذاك الجيت قبيلي ثين 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 نرد في كني مولن وبي صار نشت قبيلي بس كي سانو تيان كير بس كي تينا تينا هاد جن داخل الجيا وبي وبي ولا مد بذر الثمر انت جيهان انت مالقا اكزاكتومون شو قلت نين اكزاكتومون فوالا صحاب مالقا غدي سوالين خير لا طاس يسن سوالين سي هي سي ثمرتي معني ازول الوغ ارزقي امزيان سكي بو نو فرا الحاجة خيس وهمن ديون دي لولن داك دي فرنسا ديون نكت مسلين كمان ثلاث تقبيلي أكني واثا يعني نوض تختار ورا من ولا مي زالي لا ترانسميتر ست بل لونغ دي جينيراسيون أمشي حمالة عرض قبيلي en étant né ici c'est J'aime que moi j'ai un parcours bon je pense que il y a plein de gens qui ont le mien qui naît à Saint, enfin très très jeune je suis on est reparti un peu vivre en Kabylie en fait et jusqu'à la mort de mon papa qui est parti très tôt Bad Noald donc quand même j'ai eu cette période d'Anda j'ai vraiment donc من سليت غف حريشة كين شنا دي ثمور تي دبويل سي اكي تبويل يار ذاقين اكو ذي Donc en fait, je passais le clair, le plus clair de la plupart de mes vacances d'été, de mois à jour. Donc, l'amour de la musique est né entre les deux rives, en fait. D'accord. Ouais. Et c'est quoi l'attirance de Chouki-Jvedan à Vous aviez déjà des gens de votre entourage Chnoun Sincèrement, dans ma famille, il y en a peu, peut-être il y en a eu, mais qui ne sont pas déclarés, on va dire. En cachette. En cachette, ouais, malheureusement. Et bon, cet amour de la musique, il est né aussi. Parce que j'ai trouvé dans les valises de mes parents les vieux disques et le vieux manche-disque aussi et tous les disques qui allaient avec. Donc c'est Manazem, Hasnaoui, il y avait aussi ceux de Tmaglet, Takidi Hayaten. Et du coup, bah, c'est ça qui m'a nourri, c'est ça qui m'a appris même Sakavelis. Hein, bien sûr, il y a ma mère évidemment. Bien sûr. Et la perte de mon père, évidemment, comme c'était une ancienne génération, j'ai cherché à savoir Venus. Donc à travers lui, mais à travers les disques guis, j'ai trouvé j'ai un père en fait. Voilà. Et la musique, parce que on peut apprendre aussi à jouer d'un instrument. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré? Est-ce que Alan, le musicien, je veux que ça fasse ta guitare, Oui, j'ai commencé un peu parce que la guitare, si tu veux, elle est plus accessible que mandol, par exemple. Quel ou Nissan, c'est un mandol, tu vois. Donc ces guitares, déjà, tu peux te dépatouiller de rio. Donc on a commencé à faire, oui, jouer avec des potes, avec des amis, avec des varans, pardon.
Et puis, de fil en aiguille, tu vas toujours dans le monde, tu vas aussi cet instrument qui te plaît le plus. Voilà. D'accord. Donc la mandole, elle était essentielle pour accompagner la parole. Oui. Justement, si tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça. Est-ce que dès le début, etc. Dès le départ, vous avez choisi cette voie de devenir artiste Ah non, pas du tout. complet? C'était vraiment pour. C'était un refuge un peu la musique. Parce que. Mais je ne me suis pas dit au début que j'allais en faire Une une carrière. carrière. Enfin, si on peut appeler ça pour l'instant, c'est que modeste place, une petite, mais je ne me suis pas dit tout de suite que ça allait. De toute façon, j'avais un modèle à la maison qui me disait qu'il fallait finir ses études, finir ses études, finir ses études. Donc oui, je l'ai pris. C'est plus un refuge qu'autre chose dans un premier temps. Après, c'est devenu une passion que je voulais aller jusqu'au bout. Ouais. Alors, jusqu'au bout, vu que vous avez enregistré, donc dès qu'on commence à enregistrer, on commence à se dire, tiens, pourquoi pas? Alors, dans un studio et enregistrer. Ben en fait, c'est à force de faire différentes scènes, différents cafés, parce que j'en ai fait beaucoup aussi, faire quelques Halloween Decimals et tout ça. Et c'est en fait, c'est une fois, quand tu rencontres des musiciens, quand tu rencontres des personnes qui sont dans le domaine, te disent, si tu veux continuer cette voie, il te faut ta signature. Et ta signature, c'est ta carte de visite, on va dire, C'est c'est un ça. album. Donc il fallait, et du coup, j'ai décidé de le faire, parce qu'on m'a encouragé de le faire, donc j'ai. Et je présume, pour faire un album, il faut des paroles, il Ah oui, faut tout à la fait. musique. Oui. Comment ça s'est passé? Ça veut Recette. dire recette. Est-ce que des sphères du saint ne sera son arcivar Ah, je suis Azawan? plus compositeur qu'auteur. D'accord. J'écris un peu, mais C'est pas ça. c'est pas que c'est pas ça, c'est qu'en fait, il faut avoir le temps d'écrire. Ouais, Tu le vois, c'est. temps Et de. l'esprit, Oui. il faut vraiment, c'est quelque chose. La compo, c'est un peu plus simple pour moi, un peu plus simple, mais je ne dis pas que la composition est simple, c'est loin d'être simple la composition, parce que c'est dur d'allier justement les mots à la musique. C'est tout un travail, il y a une interprétation derrière, c'est un boulot quand même. Il faut que la musique aille avec les paroles. Non, je veux dire que j'ai plus de facilité à composer qu'à écrire. Qu'à écrire. Et après, j'ai rencontré des personnes qui Tialoun. Akne Donc les deux premières expériences que j'ai eues, donc mes deux premiers albums, je les ai écrits. Il y a des choses que j'ai coécrit avec Hamid Mouelhi, qu'il a écrit lui aussi directement. Donc, et le troisième que je suis en train de préparer est écrit par Rizqi Arskarabia, Et justement, les textes, quand on parle de texte, c'est quand même, tu as ta touche. Il y a des choses comme ça, oui. Effectivement, il y a des thèmes que j'ai envie d'aborder. Je fais une petite trame comme ça, et après, bon, souvent elle est reprise. Et il y a des choses où le texte, il me plaît beaucoup. Donc je me dis, bah, tiens, si j'ai l'inspiration nécessaire, je compose dessus. En fait, c'est vraiment à l'inspiration. S'il y a vraiment un truc qui me tient à cœur, je propose à l'auteur si on peut développer le sujet. Sinon, des fois, il a déjà des textes tout Un écrits mot et c'est. costume Voilà, c'est sur ça. mesure. C'est exactement ça. Et bien sûr, mais une vraie, pourquoi pas.
يسفران دونك الدوغ على شوات سي سفران حوز ديالك ثميوين زريغا افنان يتروحو سي شيطار ثايض لي سي كوا سي C'est l'ordre de la société, Oui, l'immigration, enfin, y a la un peu de tout ça. politique. En fait, si tu prends les deux projets, enfin, les deux projets que j'ai faits, notamment le deuxième, par exemple, il y a vraiment le sociétal, donc bien sûr l'amour, et il y a aussi l'immigration, effectivement, qui est le sujet que moi je porte aussi, que j'essaye de perpétuer à ma modeste place. Bien sûr, Parce qu'à même là, ils ont chanté ça, et l'immigration, elle est là. On l'a là. dit, c'est là, Maison Blanche, oui, elle est toujours là. Que ce soit en France ou ailleurs, ils sont toujours immigrés, en fait. Alors, avant avec Nsé Lakhtarach, nous nous sommes à Kessel Mbaïd à Mandorné. لا نحمد الله كان تي لي زواسين وي كي غادي سوالين سين فما اختار انت تصل الهضره نو مسلاي ما شويه طاو تضحكش بعد انا ما نشنو تضحكش ما اي دونك شيني تي زلاتين خطرش روحها مقلق شويه طاح دي الريبرتوار ولا بديك الحسناوي دايوغ زعما الحسناوي الا ايتي روبري Les jeunes d'Anatas qui reprennent un peu les musiques, surtout en musique de l'Hasnaoui, c'est parce qu'il est facile à interpréter, c'est parce qu'il est universel, c'est parce que. C'est plus la deuxième proposition. C'est plus qu'il est universel. Et il appelle justement, il a cette touche d'universalité. Ouais. Et puis je pense, quand tu entends, même si tu vis pas l'époque, mais quand tu entends D'Asnaoui. Hesnaoui, tu sens cette touche d'universalité. Il avait Donc, envie de transcender un peu son époque. Voilà, et même dans ses textes, c'est le premier à avoir chanté Ahmel Hakim dans une chanson à Oui, l'époque. c'est vrai. Et puis a donné sa voix aux femmes aussi. Donc voilà, c'était quand même quelqu'un qui était en avance sur son temps, on va dire. Et ça parle, ça se transmet de génération. En fait, ça nous fait écho, en fait. Et je pense que ce principe d'universalité, il est important dans la musique, sinon. Et si je justement, À vrai dire, ma première chanson au collège, Voilà, c'est un autre c'est un répertoire. autre répertoire, bah, c'était Feltiam. Voilà, c'est la première chanson que j'ai apprise, c'est ça. D'accord. Allez, باش نسل كان يوث نتزليت alors شيني نرد خمض c'est le deuxième deux albums باش كان نسمحتي مسفلين غادي سوالين امزوارو يفرض en quelle année 2010, en 2010 deuxième en 2015. voilà ça reste dans la nouvelle de Hakine Ça mais Kine appelle, je ça appelle. pense que voilà Il c'est faut pas prendre une le temps de match faire les bonnes choses, on les va dire, bonnes choses. ou prendre le temps de se faire plaisir avant tout, déjà, et partager ce plaisir avec les autres. Voilà. Bien, on va prendre cet instrument et on va essayer de leur interpréter parce qu'il y a un avant-goût et une souveline de cher, il faudrait avoir Je vais l'interpréter. avoir une chanson de mon premier album, c'est Halil. Ahlil. Voilà. Halil, c'est un peu les histoires d'amour contrariées, mais ça peut être aussi cette histoire d'amour contrariée qu'on a en tant qu'artiste avec son public. Et puis voilà, Halil, ça sera du pain en français, Ahlil, ils peuvent l'apprendre. mais voilà. Allez, Ahlil, des radios tizériens avec Arzqi Amzian. جاوليس
تنفي دور الشلال يا الوثين صلات والني سلفغي سياسة وغاب إيه شيزقن في دانيس تشب الغوغانيس بالملك ثغاب فلك يذكر إيمانيس يتحرز دايريس ما تكتش بسمع أحلي أحلي لا يول يجولي سذب جافي ثيري صار يحلم في ذي وسالة وزق يولتي حتم اللي غيظ صورة فريزة خسولي سياسة قبع غساسي إيضا فلاسي عوزة والغراس يرزم ممكن ينفر أحلي لا أحلي 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 لا يول يجيبوا لي سذب جافي ثيي ليل صغور ارزقي مزيان في زليت سكيانا دونك بور دو سون بروميير البوم شحال انت ثلاثين قلا عندك البوم 10 قلا 10 10 دي جيم لا 10 فوالا 10 وين كان 10 ديريكت يلا كومون سيتي دونك علي اون فاس بروجيتي اون 2010 hein. Médifa, Zelfar, c'était après l'attente. Je suis Médifa, l'album. Il était temps. Non, il était temps. Je pense que j'étais prêt pour le premier et j'ai fait le maximum. J'ai donné le meilleur de moi-même Zaral à l'époque. Oui. Et puis, j'ai eu de la chance d'avoir. J'ai mis les moyens, mais j'ai eu plein de musiciens. J'ai eu des vrais cuivres, j'ai eu des vrais violons. Donc j'ai tout fait en acoustique et que Chadiano Benadem. Voilà. Donc voilà. Et le retour, il était. C'est ce que. Enfin, tu espérais plus. Tu étais déçu. Tu étais. En fait, moi, de mon côté, j'ai fait le maximum. Après, j'ai eu un problème de distribution. Les meufs, ouais. Notamment. Après, tu sais, avant tout, sur une stratégie, il faut qu'on soit... Oui, d'accord, il y a déjà. Ouais. Et j'ai eu un petit problème de distribution des meufs, mais bon, voilà. Ouais. C'est une expérience comme une autre, voilà. C'est un sujet qui revient à chaque fois. Bon. Et puis, c'était ça, à l'époque, après... Après le deuxième, j'ai fait le choix de ne pas le sortir des moldes parce que à chaque fois que les éditeurs disaient non, c'est pas dans la tendance actuelle, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais qui dit beau le wagi donc c'est pas la peine. Si tu ne crois pas, comment tu peux sortir un produit et ne pas y croire? Il est direct raté, tu vois. Donc j'ai préféré le mettre sur les plateformes, heureusement qu'on a ça aujourd'hui, et je pense que tu es d'accord avec moi, heureusement qu'on a les réseaux et les plateformes de streaming en fait.
Donc j'ai pu les mettre sur le sur Voilà, ça oblige un peu s'il y a bien sûr d'autres producteurs qui se lancent dans cette aventure de sortir des albums. Mais bon.